Soyez bénis au nom de Jésus. Opamba mana kombo na Yesu. Soyez bénis encore. Opamba mali susu. Nous avons vaincu tous. Bisonyo sotolongi. J'ai vaincu aussi. Aussi olongi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Lorsque l'étoile est manipulée ou combattue, le signe que tu peux découvrir, tu vas commencer à manquer quelque chose que tu en avais beaucoup. Quelque chose que tu en avais. Quelque chose que tu blaguais. L'argent que tu s'amusais. Les amis que tu s'amusais même avec ça. Mais lorsque ton étoile est manipulée ou combattue, ça va te manquer. Yes. C'est ça, Dieu. Mon père. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Lorsque les toits d'une personne est manipulée, tu vas commencer à sentir des choses qui étaient très faciles chez toi. Et ce sont ces choses que tu vas commencer à chercher. Yes. C'est ça, mon père. Je parle une personne. Je sais pas qui tu étais. Yes. Comment tu étais hier? Qu'est-ce que tu sens maintenant? Comment tu vois maintenant? Est-ce que tu es bien aimant dans ta peau, dans ton assiette, dans ta bénédiction? Il y a la facilité de comprendre que ton étoile est des problèmes. Je déclare, yes. Si ton étoile est des problèmes, ce soir, c'est la soirée de réglage des étoiles. Amen. Le Seigneur doit régler ton étoile. Parce que les manquements là, que vous vivez là, ce sont des manquements qui vous arrivent parce qu'il y a un combat. Ton étoile est combattue. Les problèmes que tu subisses, c'est à cause de ça. Jacob qui ne se déplaçait pas. Jacob a savait tout ce jeu. Mais cette fois-ci, tout était brisé. Il va envoyer les gens pour aller chercher pour les. Or là où on va, c'est à une personne qu'ils avaient poursuivi, chassé, manipulé, combattu, cherché à tuer. Je parle de personne. C'est une saison que nous devons grandir. Yes. Les enfants de Dieu doivent avoir la taille, la dimension de la réflexion, de la connaissance. Ayez l'esprit de tisser l'amour. Ayez l'esprit de comprendre. La personne que tu t'élèves là, peut-être demain, c'est lui que Dieu va bénir. C'est ça, Dadi. Lorsqu'on rentre dans l'église, où je suis là, dans cette église, la première chose qu'on doit sentir, c'est l'amour, l'ambiance, le partage. C'est ça, mon père. L'église, c'est pas seulement venir prier. Et non, c'est aussi soutenir les autres. Yes. Au lieu de combattre l'autre, combat les toits de l'autre, combat la vie de l'autre, combat les avantages de l'autre. Mais c'est le temps de comprendre. Voilà, pas dans la maison de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui parle mal des autres, faites tout possible de l'isoler. Amen. Même surtout lorsque vous venez là. Si tu vois, tu t'assois. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas une chose. Qui ne doit pas la vie. Laisse-lui. Si c'est un serpent que le diable a prêché pour manipuler ton étoile. Lorsque les gens viennent, c'est pour avoir la grâce, pour avoir la bénédiction, la solution des problèmes. Mais une personne peut se poser comme quelqu'un qui va manipuler son étoile. Ce sont ces gens-là qui parlent mal aux autres. Au nouveau. C'est ça, mon père. Enseigne-nous. Il commence à parler des choses qui ne prend pas plaisir. Pour étouffer son étoile. Pour renverser son étoile. Pour menacer son étoile. Je déclare au nom de Jésus. Cela ne se fera jamais dans ton chemin. Voilà pour l'église qui a grandi. Ils ont la connaissance de détester les gens, les étoiles des autres. Quand tu vois comme ça, tu comprendras. Il a l'étoile noire. Or, l'étoile noire, c'est l'étoile du diable. Les gens qui détruisent les autres, qui poussent les autres, qui combattent les autres, ce sont les étoiles noires. Ce sont les gens qui ont déjà chuté. C'est ça, mon père. L'étoile ne brille plus. L'étoile est déjà tombée. Il est maintenant là. À chercher les gens qui vont aller dans son chemin. Je déclare, yes, au nom de Jésus, yes, ce jour-là ne sera jamais dans vos chemins. Holy Ghost, le Seigneur doit les exposer. Le Seigneur doit les chasser. Le Seigneur doit les immunir. Tu es en train de faire quelque chose que tu faisais bien, mais tu m'as tâtonné. Tu as des affaires que tu vendais bien, mais tu m'as tâtonné.
tu vas commencer à te dire, il y a quoi pourquoi cela m'arrive. Oui, il y a un combat, il y a un ennemi qui s'est élevé à combattre ton étoile. Tu vas commencer à tâtonner. Des choses que tu faisais bien. Tu vas plus faire bien. Tu vas commencer à commettre des erreurs que tu ne comprends pas. Tu poses la question. Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Beaucoup ont ce système de parler ça. Qui les pousse à parler comme ça. Pourquoi je commence à tâtonner? Quand je fais ces opérations, c'était bien. J'étais fort dans le chimie physique. Mais pourquoi? Ça tâtonne maintenant. Il y a quel problème? Est-ce que vous comprenez? Je travaillais bien. Mon chef m'aimait. Mais lorsque j'arrive devant lui, je commence à tâtonner. Je fais plus le tâtonnement. Mais bien aimé dans le Seigneur, yes. Le diable Satana a plusieurs stratégies d'éliminer le tâtonnement. Amen. C'est ça, Daddy. Il peut commencer même à te faire bégayer. Lorsque tu arrives devant le jury, les choses que tu maîtrisais bien, que tu faisais bien, mais devant le jury, tu commences à trembler et à tâtonner. Mais les choses sont dans la tête. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Lorsqu'on parle de la guerre des étoiles, il devrait être éveillé maintenant. Nous devons lui donner la place de nous combattre. Tous les yeux qui vont commencer à faire la nuit, le matin, on va commencer à lever ça. Avant qu'on va au travail, avant qu'on cherche le dossier, avant qu'on dépose le dossier. Vous allez commencer à voir que Dieu va prendre la place et les, tout ce que l'ennemi a fait, ça serait multiplié par zéro. Pourquoi? Parce que nous avons multiplié les stratégies. Le chrétien qui ne travaille pas dans les stratégies, il n'a pas la révélation de Dieu et il n'est pas spirituel. Dans la maison de Dieu, lorsque le serviteur de Dieu n'a pas l'onction de Dieu, il va souffrir. Son étoile aura des problèmes. Même si on ne touche pas sa voix, ils vont bloquer ses avantages. Ils vont bloquer son étoile. Ils vont bloquer beaucoup de choses. C'est ça, mon père, avance. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens passer ici sans pourtant ne pas prier. Si quelqu'un dort ici, il ne prie pas, il m'a provoqué. Il devient mon ennemi. Là où je suis là, yes. Les gens qui n'ont pas prié, je commence à les voir comme mes ennemis. Amen. C'est ça, Daddy. Amen. Je la Amen. Ici, c'est la maison de la prière. Ah, yes. C'est la prière qui produit les miracles. Amen. Amen, il y a des gens qui vont chez les féticheurs. Est-ce que j'ai le temps d'aller chez les féticheurs? J'ai pas le temps d'aller chez les magiciens. Je n'ai rien à demander sur Dieu. Mais moi, j'ai la poule de pouvoir de déstabiliser leur puissance. Yes. Leur puissance. Yes. Tout ce qu'ils en ont. C'est moi qui peux sauver. C'est moi qui peux prier. Parce que Dieu a doté par l'onction de régler leurs problèmes. C'est ça, mon père. Amen. Bon, maintenant, un chrétien qui vient. Si comme que ça il laisse abandonner la prière. Ah, c'est bon de mais tu es l'ennemi du prophète. On ça mon sacoli. Le banabiso toyo. Notre force n'est que la prière. Ma casse la biso ça ma bondeli. Non, mire prophète que la prière. Amen. Mais comment tu vas combattre la prière? Bundisa li bondeli. Nakamwe. Tout enfant de Dieu. Moi ensemble même ceux qui sont en retraite dans l'église. De tonga. Fais tes attention. Okay, devenir comme ça. Oyaka. D'abord dans l'église il y a des sorciers qui arrivent. Ah, nakate tonga ils appellent na bandoki ba yakaka. Il y a des sorciers du quartier. Il y a bandoki pe ba yakaka hosambela. Ba yakaka. Lorsque tu viens à la maison de Dieu, il faut savoir une chose. C'est un but. Sortir de tes enfants. Sortir de ta maladie. Obtenir une couronne quelque part. Une élévation. Là-bas, à Kumoko, chaque étoile, il y a Jacob. A dit, non. Le mangue, amen. Amen. Ah non, le bas, ça a l'air faute à lutter. Là, c'est la salle de l'écoute. Il faut, moi, dans un million, ça y est, boya, mais ça l'air satan à la vie. Yes. Amen. Voilà ce que la foi peut produire en vous.
ce que nous pouvons bénéficier de Dieu, c'est lorsque toi, mais tu ressens quelque chose qui est négatif. C'est ça, Dadi. Un véritable enfant de Jésus. Moi, Zambé, solo. Si tu reçois, tu dois le renvoyer. Amen. Le retour est très important. Le retour, il va connaître que toi, tu n'es pas celui-là qui peut m'abuser. Le retour, c'est le dire, je suis capable à t'enterrer. Yes. Tu ne peux pas m'enterrer. Yes. Parce que le Dieu que je prie, c'est un éternel. Yes. Un Dieu qui a la capacité de te tuer. Yes. C'est ça, mon père. Et c'est un seul barre, mon père. Le barre, mon père. Mon père, mon père. Ou un seul tel, mais toi, Nayo. Il faut y aller, car toucher toi la main à Saturne. C'est comme ça. Si tu es baron, tu es un rabisso. Le barre, amen. Bien. Amen. Baron, tu es un rabisso. Baron, tu es un rabisso. Amen. Qui m'y est au barre, vous allez rater. Amen. La Bible dit, tu n'auras point de succès. Dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé. Dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Il y a des menaceurs des étoiles. Il y a des dévorateurs des étoiles. Qui domine toute la famille. Certains dominent même les quartiers. À cause de leur pouvoir satanique. Beaucoup de familles qui sont dominées par ces étoiles, vous allez voir, ils n'ont pas de succès, ils ne résistent pas. Aucune personne ne vient pour les aider, ne vient pour les soutenir. Pourquoi? Parce que le manipulateur, c'est un baobab qui a pris la possession sur cette famille. Voilà pourquoi il y a des familles, aucune personne ne résiste, aucune personne a des avantages. Je déclare des avantages, vos avantages. Mon Dieu commence à vous les donner. Holy Ghost! Aïe, aïe, aïe.